bête, mais c'est parce que je suis libéré sur ce genre de choses que je ne peux pas me blesser à un moment donné. Je ne peux pas avoir des petites tendinites, je ne peux pas avoir des claquages ou autre, mais éventuellement ça pourrait être. Donc, ce genre de truc de déroulé pied, vous savez faire. Tous, sauf que moi je vais mettre des phrases, vous allez faire sur la ligne. Pour l'instant, on n'a pas le droit de quitter la ligne. Dès qu'il y a un pied qui passe à côté, dès qu'il y a un rééquilibrage avec les bras, ça veut dire qu'au sol, c'est mal passé. D'accord ? Donc, ce que je veux pour l'instant, c'est je pose mon appui et j'essaie d'emmener mon genou très vite devant et je suis équilibré et je ne quitte pas la ligne. D'accord ? Il y en a plein pro et on bosse sur 20 mètres jusqu'à la ligne d'après. Après, on va gérer les histoires d'avancée de genoux, de choses comme ça, mais pour l'instant, je pose mon talon et je finis mon appui très grand. Et si vous êtes bon, votre appui doit se finir avec le haut des fesses. C'est-à-dire que quand je suis là, je sens qu'à la fin, mon haut de fessier, il a travaillé. On y va. Simon et Aurélien vont essayer de vous corriger. Ils vont faire un peu avec vous les regarder. Et puis, il n'y a pas plus de... Voilà, plus il y a Dieu qui peuvent corriger, mieux c'est. Et vous pouvez, entre vous, évidemment, vous corriger. Donc voilà, l'idée, c'est de partir là et qu'il n'y ait pas de déséquilibre. D'accord ? Et on essaye, c'est parti ! Je vous rappelle que... Oula, c'est une brute sur place. Hein. Ouais. Alors il y a un truc que vous devez toujours vous souvenir quand vous faites des gammes. C'est qu'on avance vers l'avant et qu'on n'avance pas vers le haut. Prenez un peu d'espace pour pas marcher devant le... avec les talons. Donc on essaie, là, pendant une dizaine de fois, on reste sur place. Et une fois qu'on a pigé le sur place, sa jambe libre, et ben on met de la force dans le sol qui nous fait avancer. On n'oublie pas la ligne. C'est l'équilibre qui est important. Allez, c'est parti, on y va. Les premiers. Mets de la force. Allez, de la force dans le sol. Encore. Encore. Voilà, fais gaffe, t'es allant. On met tes bras en bas. Ah, ouais. Prenez conscience de ce que vous agissez au sol. Tu vas trop vite. On calme le jeu. Voilà, pose trop loin, pose sous toi. Trop loin dans une nuit. C'est ça. Ouais, garde ton pied très haut tout le temps jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu poses trop loin. Pardon. Pose dessus. Et comme tu dis, on ralentit tout à l'heure, on met ton ta jambe. Parce que je pose mon appui, j'ai l'autre genou qui avance. Pourquoi il avance le genou? Je viens de vous l'expliquer. Parce que je mets de la force dans le sol. Je mets de la force dans le sol. Là, c'est cette jambe-là qui va faire que là, je peux avancer. Ce n'est pas un fémur qui grandit. Donc, l'exercice qu'on va faire, c'est on va essayer de prendre conscience de ce que c'est qu'un appui que de mettre la force dans le sol en jouant sur le genou qui avance. Non, phase 2, comme ça. Ça, c'est ma main avec son genou. Donc, tu viens, voilà, sans épaules qui reculent. Et tu essaies de poser, de faire normalement comme tout de suite et on change. Là, et là, et je prends l'appui, et là, et je soutiens le genou, voilà. Donc l'idée c'est de comprendre ça, c'est que j'appuie, je fais avancer mon genou, je mets ma force dans le sol, je le mets. J'apprends doucement à avoir de la force de chaîne postérieure qui va faire que quand je courrai vite, je serai là, et boum, je vais pouvoir y aller très très vite. D'accord ? Allez, on avance. C'est pour faire un petit couche de pas de démo, mais il y a droit qu'à deux images. Il y a cette image-là, et on aura de la faire avancer un tout petit peu en mettant de la force dans le sol avec le corps qui avance. Et le reste du temps, dès que je vois des trucs doucement et tout, je ne devrais pas avoir ça. Je devrais avoir que ça et ça. Et ça. Là, vous faites du sprint, parce que ça, vous allez aller aussi vite, voire plus vite que quand vous allez courir en voiturier en indoor. Mais on n'a pas de vitesse de déplacement. On fait de la vitesse, on fait de la vitesse angulaire, mais pas de la vitesse de déplacement. Et quand on est sprinter, la vitesse angulaire, c'est une des choses les plus importantes qui, après, amènera de la vitesse.
Donc on peut faire de la vitesse toute l'année, mais pas de la vitesse de déplacement. La vitesse d'ischio pour l'instant. D'accord ? On est parti les gars ? Non, en travers tu vois un peu le pose d'appui. Là, et boum ! Vous voyez qu'il attend à chaque fois, avant, tant qu'il peut agir au sol, il agit au sol. Et on voit le bassin qui avance, qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. Et quand il ne peut plus agir au sol, boum ! On remplace et on réappuie. Et on va faire ici, au hop, je change. Et je change au hop d'après. D'accord ? Moi je le fais pas. Je ne sais pas y arriver. Mais je peux presque. Allez, on la joue au haut. Chacha, t'as fait de la muscu, Chacha. Allez, fixe-moi là ce genou et avance ton temps. Pas de rebond, pas de talon. J'appuie juste au sol. Voilà, si tu fais des talons, c'est plus facile. Longtemps, 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 j'apprends à appuyer dans le sol. Le rebond, le rebond. Dis bon. Non, mais c'était. Non, cherchez. Dis bon. C'est pas ton pied, voilà. Voilà. Parce que tu vas le faire. Oh, lui dans le col, ouais. Appuie. Et ça va venir. Grandis, toi, tu nous y es encore plus que ça. Allez, grandis. Là, je suis devant les 1. Ils doivent passer par le talon ? Oui. Normalement, non. Ils sont plus par le talon quasiment. Parce qu'ils vont chercher loin devant, parce que c'est grand. Pas de talon seul, bien. Ah ouais, tu vois, ils sont là. Je vais chercher loin, donc boum. On va réviser cet après-midi. Simon, rond de pied. Aurène, vas-y, Aurène, t'es bien placé. Allons, on va le faire sur la ligne pour l'instant, on fera sur le plan après. Là. Objectif, de reculer mon pied, d'être grand. C'est exactement le même exercice, sauf que je suis en suspension. D'accord ? Bon. Voilà. Ils ont monté les genoux très en haut, reste les épaules. Ok. Aïe. Vite au sol, vite au sol, je sens pas. Yeah. Ok, jusqu'à la fin, c'est bien. Attention, je vais dire après.